Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le mini-album terminé. Donc c'était un mini-album que j'ai réalisé avec ce bloc de papier. Si vous n'avez pas vu le tuto, je vous mets le lien en barre d'information. Donc vous voyez ici la reliure avec des fils et les livrets à l'intérieur. Voilà, ici donc du skiver text et les papiers du bloc. Des petites décorations, donc un tag du bloc. Ici, ce sont des découpes que j'ai faites dans du papier pailleté. Ici aussi, des petits chiffres et un œillet dans le papier pailleté or. Voilà, j'ai fait des éclaboussures en or. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, et donc ça, je les ai faites, j'ai déjà dû vous dire, mais je vous remontre. Je les ai faites avec des pigments or. Donc là, c'est la Pixie Powder. Voilà, et donc que j'ai mélangé avec de l'eau et que j'ai éclaboussé sur pratiquement toutes les pages du mini-album. Alors, à l'intérieur, donc vous voyez la décoration, donc c'est uniquement mes découpes or que j'ai rajoutées en plus. Et c'est tout, parce que tout le reste, c'est des choses qu'il y a dans le bloc de papier, des stickers, des die-cuts, des stickers et des die-cuts, des cartes, voilà, que j'ai utilisé tout le long de l'album. Et j'ai utilisé aussi, j'ai rajouté des tampons texte. Voilà, donc ça, ce sont des tampons texte d'un tampon. Alors, je vais vous montrer un tampon que je n'ai pas sorti, bien sûr. Ce sont ces tampons-là de chez Toga et qui sont vraiment super. Ça date pas d'hier, hein, ces tampons là, donc je sais pas si on peut encore les trouver. Et en fait il y a plein de petits mots, ils sont super, mais par contre il faut réussir à bien viser. Là par exemple c'est un petit peu de travers, mais bon, voilà. Donc voilà, donc là je pense que vous voyez aussi les éclaboussures que j'ai faites. Voilà, ce papier est vraiment trop beau. Donc comme le papier est très fin, il valait mieux renforcer le mini-album avec du papier cartonné, donc papier cartonné blanc. Voilà, alors ici je n'ai pas de photo parce qu'à la base je voulais mettre une photo, mais une fois imprimée la photo, je ne la trouvais pas belle du tout. Donc du coup, j'ai mis une carte à la place et puis voilà, j'ai fait une petite composition avec des étiquettes, tampons. J'ai utilisé des tampons sur plusieurs pages. Donc les tampons, c'est ceci de chez Graffiti Girl, donc c'est des tampons de fond. Donc ceux-là, c'était les petites étoiles, c'était celle-là que j'ai utilisée avec la même encre sur toutes les pages. C'était celle-là, la Distress Oxide Victorian Velvet, donc c'est un peu un mauve. Voilà, donc vous voyez, j'en ai mis ici, là, et puis des éclaboussures en or un peu partout aussi. Voilà, des petits stickers, hein, qui sont à l'intérieur, que j'ai rajouté aussi. Voilà, des petites étiquettes. Enfin, voilà, plein de petits. Je trouve que le côté or, c'est sympa à rajouter aux embellissements rose girly. Ça va trop bien ensemble. Voilà, donc là, c'est un tampon de chez Florilège, un tampon bois. Alors ici, les petites enveloppes. Donc ça, je vous ai expliqué comment les faire dans le tuto. Donc là, il y a juste une petite carte. Voilà, et toujours les petits feuillages. Et là, en fait, j'ai découpé les petits personnages en fait dans le papier. J'en ai mis un peu partout aussi dans le mini-album, parce que je trouve ça trop mignon. Puis bah, c'est girly, quoi. C'est bien dans le thème. Voilà. J'aime beaucoup cette composition là aussi, avec un tag et puis un hexagone, un tampon et puis des petits feuillages. Voilà, j'ai les tampons étoiles et des éclaboussures. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Et ici, cette page qui était assez chargée au niveau du papier, j'ai coupé un peu en mettant une bande de papier que j'ai découpé, une bande de papier pailleté également. Voilà, pour couper un peu tous ces feuillages là.
Voilà, et là, ce sticker aussi, il y en a plusieurs dans le bloc et ça rend super bien à coller sur les photos. Voilà, alors ici, une autre enveloppe que j'ai mis dans un autre sens. Voilà, j'adore cette carte, c'est très joli. J'aime beaucoup le personnage. Et là, j'ai mis une petite photo à l'arrière. Alors, dans le mini-album, il y a quand même pas mal de photos. Il me semble que j'en ai une vingtaine. J'avais noté ça. Je crois que j'ai 20 photos. Je ne sais plus. Je sais plus. J'ai pas. Ah si, 27 photos quand même. À quoi que j'en ai une en moins. Donc ça doit faire 26. 26 photos, en comptant même les petites qui sont dans les enveloppes. Donc je les imprime toujours avec mon imprimante photo Canon Selfie. Donc j'ai fait des petites photos, des plus grandes photos. Voilà, donc là c'est une photo plus petite. Celle-là c'est une. Enfin, c'est pas des 10-15, c'est des 9-13, il me semble. Et donc là c'est une moitié. Une moitié de page. Voilà, j'ai fait des petites compositions avec des cartes. Quand le texte ne me plaisait pas, bah voilà, j'ai collé un sticker dessus. Voilà, toujours mes petites étoiles tamponnées. C'est discret, mais elles sont bien là. Voilà, ici j'ai fait une composition aussi avec les petits hexagones pour casser un peu le feuillage un peu trop présent. Et donc là, j'ai fait une enveloppe, mais j'ai fait l'ouverture par le haut plutôt que sur le côté. Donc voilà, j'ai mis une petite carte de nouveau et une petite photo à l'arrière. Les tampons texte, tampon spécial fille, c'est celui-ci de chez Graffiti Girl que j'ai acheté spécialement pour le mini parce que je trouvais que ça allait super bien ensemble. Voilà, donc encore voilà des petites cartes. Die-cut et tout ça. Donc ça, cette esperluette, j'ai dû la découper dans une carte parce qu'on la trouvait pas comme ça toute faite. Hein, donc j'ai fait des petits découpages quand même. Voilà, bon, j'ai caché les visages, hein, bien sûr. Donc, voilà, ici, cette petite carte trop jolie. Voilà, avec la photo à l'arrière. Petit tampon, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. J'aime bien. Donc voilà, là j'ai fait une découpe aussi d'un alphabet en fait pour marquer Hello Girl, je trouvais ça sympa. Alors là, j'adore le papier jaune avec ce papier rose, avec ses feuillages, mais vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. Et voilà, ça c'est un petit personnage que j'ai découpé dans une carte, voilà, que j'ai collé là. J'ai mis un petit cœur, un tampon et puis des éclaboussures. Et puis des petites étoiles aussi, un peu ici. Voilà, donc là ici, vous voyez, je mets des petites étiquettes en dessous les photos pour faire des petits assemblages. Voilà, ici de nouveau, une enveloppe qui s'ouvre par le haut. Voilà, je mets pas trop d'embellissement dans les cartes pour pas que ça gêne pour rentrer la carte après. Voilà, ici de nouveau, petit feuillage, celui-là. Voilà, les tampons texte noir, ça rend bien en fait, ça ressort un peu parce que les couleurs sont assez douces là. Donc du jaune et du rose, donc là ça claque bien comme ça. Voilà, ce papier. Il est super joli, papier, comment dire, lainage. Ah, et j'aime beaucoup, voilà, les petits mots du bloc, ça rend super bien. Et là, je ne sais pas si vous voyez le petit personnage que j'ai découpé aussi dans les papiers que j'ai mis ici. Bon, c'est très girly, très rose, hein, mais j'adore. C'est pour ça que j'étais obligée de mettre du gold avec, parce que ça allait trop bien ensemble. On a ce petit personnage, voilà, je l'ai. Bah, il est encore là. Mais je l'aime trop. J'aime trop ce petit personnage. Et je l'ai découpé dans une carte. Et puis j'ai fait des découpes de petits cœurs ici.
Et bah là, j'avais ces petits carrés en stickers et je trouvais que j'aime beaucoup les dessins. Donc je les ai mis là. Voilà. J'ai fait un petit assemblage d'étiquettes. Voilà. Là, il y a des petits stickers aussi comme ceux-là dans le kit, qui sont tout à la fin du bloc. Ils sont très bien. Voilà, ici, ça c'était dans une carte aussi, j'ai découpé le texte pour le coller. Parce qu'une grosse carte, ça faisait pas très joli. Voilà, là j'ai mis un petit tag derrière les photos. Donc là, c'est 4 photos sur la même photo 9-13. Donc du coup, j'ai coupé en deux. Voilà, je les ai mises comme ça. Je le dis toujours, mais le fait de mettre plusieurs dimensions de photos, ça dynamise un peu le mini-album aussi. Voilà, encore une petite enveloppe par le dessus. Voilà, et je fais des petits tags moi-même. Hein. Là, c'est les chutes de papier que j'ai découpées. Ah, et là, le petit tamponnage. Ce tag que je remets une deuxième fois parce que je le trouve trop beau. Ah, j'aime beaucoup ce papier. Non, c'est pas trop de saison au niveau de l'anniversaire puisque c'est un anniversaire du mois de novembre. Mais ben voilà, ça va bien avec le thème des filles et tout ça, quoi. C'est super chouette ce mini-album. J'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de temps pour faire la déco et j'aime beaucoup le résultat. Donc je suis assez contente. Voilà. Et donc là, la dernière photo avec ce papier que j'adore. Et puis le sticker ici. Là, c'est une petite fleur que j'ai découpée dans une étiquette aussi. Voilà, et puis pour finir, encore ce petit personnage que j'adore, avec un petit feuillage, des tamponnages d'étoiles, une petite carte, une petite bannière, et voilà. Et voilà, à l'arrière, je n'ai rien mis, je l'ai laissé comme ça. Donc, eh bien, j'espère que le tuto vous aura plu et que la présentation vous aura plu du mini-album avec la déco qui vous aidera, j'espère, pour réaliser le vôtre. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.